Le Conseil économique, social, culturel et environnemental, dans sa quête d'un Tchad refondé, à travers un changement des mentalités au sortir de la deuxième session ordinaire 2024, s'ouvre aux consultations. La matinée du mercredi est consacrée au ministre d'État, ministre de la Justice et des Droits humains, Garde des Sceaux. La justice est interpellée au premier plan, programmée au premier plan, pensant que c'est la structure, l'intervenant clé pour nous aider en matière de changement de mentalité. La séance d'échange vise à recueillir des avis pertinents et constructifs qui vont contribuer à la construction et à l'édification du processus de changement des mentalités du citoyen. Et l'illustre invité s'est soumis à l'exercice. Nous sommes en train de faire certaines réformes pour aider les populations, inclure la chambre foncière dans toutes les juridictions du Tchad. Il y a la lanterne judiciaire. Nous sommes en train de faire, dans ce cadre-là, à introduire aussi le juge unique pour nous permettre d'aller de l'avant sur les dossiers simples. Les droits humains restent un domaine transversal qui nécessite l'implication de tous les secteurs concernés pour l'atteinte des résultats escomptés. Un programme riche qui met au cœur des actions la promotion des droits humains et le changement des vies de la population. Pour rappel, la deuxième session ordinaire qui se tient sous le thème « Le changement des mentalités du citoyen pour la refondation du Tchad à l'ère de la 5e République » vise à établir un diagnostic des causes du malaise actuel du pays en vue d'appliquer une thérapie nécessaire.